Merci Sabine. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lynn Michaud, je suis la vice-présidente à l'enseignement et à la recherche au Collège Boréal et je serai votre animatrice pour l'événement d'aujourd'hui. So good morning to all. My name is Lynn Michaud. I'm the VPA of and research at Collège Boréal. I'll be your host for the event. Le Collège Boréal respecte et tient à reconnaître et à honorer l'histoire, la culture et les contributions des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur l'ensemble des territoires partagés en Ontario. Collège Boréal respects and recognizes the history, culture, and contribution of First Nation, Métis, and Inuit people of the territories that we share throughout Ontario. Thank you all for joining us today to celebrate research and innovation at Collège Boréal. Pour débuter l'événement, je cède la parole au président du Collège Boréal, Daniel Giroux. Merci, Lynn. Bonjour tout le monde. Recherche et innovation boréale, le RIB, et non, ce n'est pas le RIB Fest de Sudbury. Notre centre de recherche éthique au service de l'innovation a été inauguré le 9 mars 2020. Le collège et l'industrie comme une importante donne une importance croissante à la recherche appliquée. L'accompagnement aux entreprises et organismes partenaires sont critiques pour soutenir l'innovation et mettre à profit l'expertise des professeurs et, oui, les étudiants. En trouvant des solutions innovantes, concrètes à des problèmes réels, des projets de recherche ou des projets de RIB contribuent à la vitalité économique des communautés où nous sommes implantés. Pour nos étudiantes et étudiants, c'est une opportunité d'apprentissage expérientiel incroyable qui leur permet de collaborer directement avec les employeurs et de se préparer aux compétences sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes donnés comme vision pour les prochains 5 ans d'approfondir le leadership du Collège Boréal pour favoriser l'épanouissement et le développement durable de nos communautés. Depuis leur arrivée, Robin et son équipe propulsent l'innovation et font rayonner la recherche appliquée menée au Collège Boréal. And I could talk, before joining Collège Boréal a number of years ago, I worked in the forestry and mining industry. And for a company called Timmerock International, who was just purchased in 2019 by Komatsu. And one of the key elements was innovation. So our specialization was in repairing rock drills, preparing feed systems. And one of the amazing inventions we created was an anvil loading system. An anvil loading system, people who don't know, it's how you blast it. You push powder into the rock and then you blast. Well, that anvil loading system for a number of years was a two-person system. Well, with our innovation, it now became a one-person system. So that innovation saved millions in the mining industry. And of course, we did a lot of innovation for major OEMs. And I know when I was in the mining industry, in the forestry industry, you're so busy with the day-to-day activities, finding time to innovate, especially if you're an SME, is extremely, extremely difficult. What I have done those years ago to have access to faculty and students who, and of course, I would have still owned the intellectual property, we would have done so many more great things in the mining and forestry industry. Là, je vais peut-être présenter quelques statistiques qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Le nombre d'étudiants, ça c'est un élément critique, il y a 34 étudiants qui ont participé directement dans des projets. Et pour les employeurs et pour les étudiants, souvent, ça c'est, quand on parle de l'apprentissage expérientiel, ça c'est du concret. 20 différents partenaires qui ont participé à ces événements-là. Et oui, ce n'est pas seulement du Collège Boréal. Ici, on n'a pas nécessairement l'expertise à l'interne. Nous allons chercher l'expertise à l'externe, d'autres partenaires pour contribuer aux initiatives-là. Et je suis fier de voir que nous avons fait 14 soumissions cette année et nous avons déjà reçu une confirmation sur 10 des 14 soumissions. Donc, chapeau à toute l'équipe. Je sais que Robin, Sabine, vous faites un travail extraordinaire. Vous êtes incroyables et nous sommes fiers de vous. Bonne journée. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter la directrice de recherche et innovation boréale, Dr. Robin Craig.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Robin Craig, je suis la directrice de recherche et innovation au Collège Boréal. So, good morning everybody, I'm Robin Craig. I'm the Director of Research and Innovation Boréal at Collège Boréal. Donc, nous visons la valorisation de la recherche et de l'innovation, et ce, partout en Ontario. So, we really look to accelerate research and innovation, not just in Sudbury, but across all of Ontario. Nos initiatives de recherche ne seraient pas possibles sans la détermination et l'excellence des équipes de recherche qui ont dû s'adapter, surtout cette année, aux nouvelles consignes de sécurité. Merci pour tout le travail que vous avez accompli au bénéfice de nos communautés et de nos partenaires industriels. J'aimerais souligner surtout la participation de nos étudiants. Et j'en profite pour féliciter les étudiants et étudiantes qui contribuent à la recherche et l'innovation au Collège Boréal. Nous sommes très fiers de vous. Bravo à tous. Et j'aimerais prendre quelques minutes justement pour féliciter directement, individuellement, chaque étudiante. Donc, merci Abderrazak Medou, Abdelaziz Chichi, Alex Letourneau, Alexandre Roy-Gay, André Tellier, Arano May, Bafing Keta, Brianna Gervais, Catherine Carbonneau, Chantal Frescura, Chloé Haug, Claire Binette, Cora Long, Danica Courchen, Danielle Henry, Diane Richer, Emma Maurice, Ephraim Porou, Fateh Anabi, Jenna Butler, Jérémy Roy, Juanita Aledoa, Ingrid Melacio Sanero Leonis, Kaylin Charon, Carona Armel, Emmanuel Toc-Panto, Maxime Gagné-Drouin, Nathalie Kalinga, Nicolas Isabelle, Olivia Baudet, Spes Hakizimana et Valérie Poisson. Merci à tous et toutes. J'aimerais également féliciter tous nos experts et expertes qui contribuent à la recherche et l'innovation. Donc, nos experts proviennent de plusieurs disciplines, la foresterie, agriculture, santé, petite enfance. On a également études où les communautés Premières Nations autochtones, immigration et intégration socio-économique. Donc, vous voyez ici toute la liste de nos professeurs et de nos experts. Donc, félicitations à chacune et chacun. Merci, Robin. Avant de commencer les présentations, j'ai quelques annonces à faire. This event will primarily be in French, but the research team has developed interactive images that are both in French and English. Those images are available at the displayed website. Le reste de l'événement sera principalement en français, mais les affiches interactives disponibles au site web sont affichées de façon bilingue, donc en français et en anglais. Each image features a research project that took place in the last year and has interactive element that allows you to learn more on the project. To know where these elements are, click on the little gray hand symbol in the right corner. This will show you all the different interactive elements on the image. Feel free to see the images at any time. Les affiches représentent les projets de recherche qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Elles contiennent des éléments interactifs qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur les projets. Pour savoir où se trouvent les éléments interactifs, vous pouvez cliquer sur l'icône de la main grise dans le haut à droite. Les affiches seront disponibles sur les pages web de Recherche et Innovation Boréal à partir d'aujourd'hui, mais vous allez aller les voir, ou vous pourrez aller les voir à votre guise. We will be drawing a door prize and we will announce the winner at the end of the event. Nous avons un beau prix de présence et nous allons faire un tirage à la fin de l'événement et nous allons annoncer le gagnant. Nous pouvons maintenant commencer l'événement principal qui consiste à de courtes présentations
ou des témoignages sur la recherche et l'innovation ici au Collège Boréal. Pour débuter les présentations, je laisse la parole à Catherine Benkovich, chef de la biodiversité et réhabilitation progressive à Glencore, ainsi qu'à Marc Hébert, professeur des programmes en environnement forestier et faunique, ici même au Collège Boréal. Hi, my name is Katie Benkovich. I am the Biodiversity and Progressive Rehabilitation Lead at the Glencore Sudbury Smelter. I'm going to talk to you a little bit about the industrial residue research project that we are in partnership with Collège Boréal. The study is an examination into the viability of using a wood ash treatment for the purpose of soil remediation on acidified soils resulting from mining and smelting operations. The study follows a pilot project done between the Natural Sciences and Engineering Council of Canada, Atlantic Power Corporation, and Collège Boréal. In a controlled greenhouse setting, wood ash from Atlantic Power Corporation was found to have statistically significant and positive effects on soil nutrients and tree seedling growth. The wood ash from Atlantic Power has low nitrogen content. Therefore, the purpose of the field trial will be to determine the most effective source and concentration of nitrogen to be combined with wood ash to maximize soil fertility and plant growth to achieve biodiversity. Laurentian University's Ballet Living with Lake Center has joined the partnership to research carbon sequestration on the Sudbury landscape. They are working with Collège Boréal to refine the treatment protocols and study the feasibility of using the ash in combination with other materials to find the ideal soil remediation mix for use in the Sudbury area. Sudbury Integrated Nickel Operations is proud to be in partnership with Collège Boréal in hopes that the research could be applied to improving soil conditions and contribute to increased biodiversity on the smelter site. The results will be used to shape the planning and implementation of long-term rehabilitation activities. Our goal is to restore the natural environment to its pre-mining and smelting state or a similar appropriate end land use. It provides a new opportunity to reduce soil acidity and improve soil nutrients while strengthening partnership and community relationships. Furthermore, it provides a solution to repurpose wood ash and significantly reduce the amount of waste being placed in landfill. Mon nom, c'est Marc Hébert. Je suis professeur dans les programmes de richesse naturelle au Collège Boréal, ici à Sudbury. Je suis aussi un forestier inscrit avec la province de l'Ontario. Depuis 2013, le programme de foresterie travaille avec des grandes, moyennes et petites entreprises pour faire avancer la recherche appliquée dans différents domaines. Présentement, nos projets de recherche sont concentrés sur l'application de différents résidus industriels sur des sols acidifiés par les travaux miniers dans la région de Sudbury. En partenariat avec Ecom Timber Corporation et Atlantic Power Corporation, nous mettons l'emphase sur l'épandage de cendres de bois pour améliorer la productivité des sols. À l'heure actuelle, ces cendres de bois ne sont pas utilisées, mais ils sont entreposés dans des sites d'enfouissement qui est très négatif pour l'environnement. Nous avons aussi développé des collaborations en recherche appliquée avec la minière Sudbury INO Glencore et l'Université Laurentienne pour étudier l'efficacité de différents mélanges de résidus industriels afin de déterminer lesquels sont les plus efficaces, tant au niveau économique qu'au niveau de leur capacité d'améliorer la croissance des plants et la biodiversité écologique. Cette collaboration avec le département de Living with Lakes de l'Université Laurentienne a démontré de façon claire des forces de chacune de ces institutions. Et le Collège Boréal se démarque par nos expertises et connaissances pratiques sur le terrain, nos installations de serres forestières, nos équipements et la participation active des étudiants dans tous les projets. Nous continuons à développer cette expertise en recherche appliquée avec deux nouveaux projets de recherche en attente d'approbation. Le premier projet est en collaboration avec des grandes et moyennes entreprises et le deuxième avec une plus petite entreprise. Ce qui est
commun dans les deux projets, ce sont des projets qui ont été initiés par les compagnies qui font face à des défis uniques. Et chacun de ces projets-là fournit une occasion au Collège Boréal de jouer un rôle important pour résoudre ces défis. Plusieurs compagnies ont des défis de ce genre et j'inviterai les compagnies qui sont intéressées de travailler avec nous de nous contacter et on va faire de notre mieux pour vous aider. Merci, Mac. Thank you, Katie. We're proud to create lasting connection to our research and innovation initiative. Our research project would not be possible without our partners. Je vous présente maintenant Denis Ouimet, professeur des programmes de technique et technologie de l'architecture, et Jérémy Roy, un étudiant du programme, qui vont vous parler de leurs initiatives en recherche. Je suis un franc-ontarien de Barbita. Pour nos étudiants en technique et technologie de l'architecture au Collège Montréal, mon nom est Denis. J'ai une formation collégiale et universitaire en architecture et mon domaine de recherche est l'habitation carbone. Je suis le coordonnateur et l'un des professeurs en technique et technologie de l'architecture au Collège Montréal. En 2020, nous avons reçu deux subventions du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Présentement, nous offrons nos services de recherche appliquée à deux partenaires privés, M. Raymond Larouche de la compagnie La Reconstruction et M. Rick Zitruk de la compagnie de construction de maisons passives Tokutri. Un projet de recherche permet aux étudiants un travail qui leur permet de réfléchir et d'imaginer de nouvelles possibilités pour un environnement bâti. Ainsi, de vérifier des hypothèses avec des données scientifiques et concrètes. Mon nom, c'est Jérémy Roy. Je suis étudiant de deuxième année en technique et technologie d'architecture au Collège Boréal. Je travaille sur deux projets de recherche appliquée à ce moment. Le premier projet, c'est un projet de volet isolé qui a comme but de déterminer la meilleure façon d'isoler les ouvertures dans une maison, comme les fenêtres et les portes. Si l'on calcule les pertes et les gains de chaleur dans l'enveloppe d'un bâtiment, les fenêtres sont le point faible de l'enveloppe du bâtiment, du point de vue des pertes d'énergie. Dans notre projet de volet isolé, nous avons démontré avec des données concrètes que nous pouvons augmenter la résistance thermique des fenêtres pour qu'elles soient identiques au reste du mur. L'avantage du volet et qui peut être ajouté sur une fenêtre nouvelle ou existante. Un autre paramètre à considérer est le coût de fabrication du volet, qui est une fraction du coût d'une fenêtre. Il nous semble évident qu'environ 50 % des coûts de chauffage d'une maison moyenne à Sudbury est causé par les fenêtres. M. Larouche dit aussi, nous prévoyons pouvoir intégrer immédiatement les volets isolés dans nos projets courants, futurs, et utiliser les résultats de la recherche pour développer d'autres produits qui améliorent l'empreinte de carbone des bâtiments. La compagnie Tokutri est une entreprise de construction qui conçoit et fabrique des panneaux isolants. Avec notre aide, il aimerait concevoir un nouveau type de panneau isolé structural. Donc, notre deuxième projet de recherche appliquée est un panneau structural isolé. Le produit type actuellement sur le marché, il utilise un isolant rigide en polystyrène, un produit à base de pétrole. Nous avons fabriqué et développé des échantillons d'un nouveau système de fabrication digitale fait de matériaux durables et nous prévoyons évaluer sa performance structurale bientôt. Notre projet de recherche nous permet d'utiliser et de comparer des matériaux qui parfois proviennent de loin. Notre objectif est de vérifier tout ce qui est disponible et de remettre en question tout ce qui se fait. L'un des matériaux que nous utilisons est un isolant rigide de fibre de bois, le Gutex d'Allemagne et le Pavatex de la Suisse. L'isolant en fibre de bois est un pare-vapeur et un pare-pluie. Il devrait être fabriqué ici dans le nord de l'Ontario, idéalement par un moulin à papier. Un isolant rigide et continu
est exigé par le Code du bâtiment de l'Ontario. L'industrie de la construction utilise présentement un isolant rigide en polystyrène, qui est un pare-vapeur, et que tous les inspecteurs du bâtiment sont au courant que le produit augmente la condensation dans les murs, mais nous n'avons pas de produit pour le remplacer. Pour que les jeunes contribuent à l'innovation, ils ont besoin de l'intérêt, first of all. Puis, s'il y a un système en place, ça marche pour tout le monde. Ça va main dans main. Just to have the opportunity to contribute to a field that I'm interested in motivates you to finish your studies and to go pursue any career after that. So that's huge in my opinion, not just in the learning of what I've learned from Dennis one-on-one with him, but just the fact I have that experience of being, I'm just motivated to go contribute, then sky's the limit. And if you have an institution or a system in place that could help you to do that, then it's fantastic. Wow, merci Denis et Jérémy. Merci pour votre présentation. On sent la passion. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos projets. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation de Martine Saint-Onge, directrice générale de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, et José Latulippe, gestionnaire du Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille au Collège Boréal. Bonjour, mon nom est Martine Saint-Onge. Je suis la directrice générale de l'AFECO, donc l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Bonjour, José Latulippe, gestionnaire pour le Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille avec le Collège Boréal. Pour faire une petite mise en contexte du projet sur lequel on travaille de façon collaborative, c'est un projet qui s'appelle en fait Construction identitaire par le biais du programme de développement professionnel francophone. Il y a quelques années, la FCO a émis l'hypothèse que la construction identitaire des enfants passait par l'accompagnement des professionnels à qui on confiait ces enfants-là. Et à l'interne, on avait un programme qu'on nomme francophone, donc FUN à la fin, parce que c'est bien amusant. Et on souhaitait voir l'impact de ce programme-là sur la construction identitaire des adultes, alors des professionnels, qui, elles, à leur tour, favorisent la construction identitaire francophone des enfants. Alors, c'est ça. Au niveau du Collège Boréal, nous avons décidé de travailler avec la FCO dans le but de valider leur formation francophone. Parce que nous, notre intention pédagogique est vraiment d'être en mesure d'alimenter les programmes postsecondaires, donc les programmes en petite enfance que nous avons aussi au Collège Boréal. Donc, les résultats de recherche et les analyses, les constats faits à ça, vont nous permettre d'informer les professeurs à l'interne et les étudiants qui sont inscrits à Boréal. Donc, de notre côté, cette recherche-là nous permettait de valider francophone, comme José l'a dit, mais ça nous permettait aussi, par le biais de nos trois centres de leadership, d'utiliser, au sens positif du sens, nos centres pour valider, pour avoir un protocole de recherche, l'appliquer et comparer entre les professionnels qui ont reçu cette formation-là et cet accompagnement-là et les professionnels qui ne l'ont pas reçu, voir la différence, l'impact que ça a sur les enfants. Donc, de notre côté, notre responsabilité, c'était d'utiliser, comme je le disais, nos centres de leadership pour appliquer la formation. Et le Collège Boréal avait aussi, de son côté, son expertise en recherche. Donc, chacun utilisait son expertise pour faire avancer ce projet-là. Donc, les deux organismes, on a un mandat provincial. Donc, l'idée, ça va être un coup validé, un coup qu'on va recevoir les constats et on va être capable d'être en mesure de partager ça à l'intérieur des communautés, soit postsecondaires ou des communautés dans les milieux éducatifs à l'enfance. Puis j'ajouterais pour la FCO aussi, c'est de valider le programme francophone et de réinvestir ces apprentissages-là pour éventuellement, comme José le disait, à l'offrir à une plus grande quantité de professionnels, mais aussi pour améliorer la façon qu'on livre, le contenu de la formation, puis éventuellement d'aller chercher d'autres données
par rapport au, à la construction identitaire des enfants comme telle. Parce que pour ce projet-ci, c'est vraiment de valider l'impact sur la professionnelle. Mais éventuellement, avec le Collège Boréal, en collaboration avec le Collège Boréal, on souhaite aller plus loin encore dans cette recherche-là. Donc, c'est une première étape d'une réflexion qui est à venir, qui va se continuer dans les prochaines années. On le souhaite parce que c'est nécessaire pour s'assurer la pérennité de nos communautés francophones. Puis on le sait maintenant, par le développement de l'enfant, que la construction identitaire commence dès la petite enfance, dès la naissance de l'enfant, et a un impact pour tout le restant de sa vie. Donc, c'est important d'avoir ces données-là pour savoir où mettre nos efforts, puis comment le faire aussi. Donc, c'est une vraiment belle collaboration. Et nous, ce qu'on a décidé de travailler avec la FECO au niveau du projet de recherche, c'est parce qu'il était intéressant, c'est qu'on voulait voir avec les éducatrices et les éducateurs comment est-ce qu'un programme de formation peut venir leur donner ce réflexe-là de devenir un passeur culturel quand ils travaillent déjà auprès des jeunes enfants. Donc, on sait qu'ils sont des bonnes éducatrices qui travaillent au niveau du développement de la petite enfance, mais on veut s'assurer qu'ils ont aussi le réflexe de dire j'ai également un rôle au niveau de la construction identitaire des jeunes enfants et d'appuyer leur famille. Mais moi, je dirais en conclusion que ce projet-là va nous permettre éventuellement de l'offrir à un plus grand nombre de professionnels en petite enfance. Donc, si vous avez un intérêt ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer soit avec la FECO ou soit avec le Collège Boréal, puis on va pouvoir certainement vous orienter vers les processus à suivre pour que ça puisse arriver. Et pour en connaître davantage sur la recherche qui va avoir eu lieu au niveau de la formation francophone, vous pourrez visiter le site web du Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille. Et le rapport et le sommaire de rapport sera déposé sur ce site-là. On envisage à peu près en avril-mai de cette année. Merci, mesdames. Merci, Martine. Et merci, Josée. La collaboration est au cœur de nos projets de recherche. Nous sommes fiers de développer des partenariats qui aident à répondre aux besoins des petites et des grandes entreprises, des communautés autochtones, des associations à but non lucratif, des compagnies industrielles et des organismes gouvernementaux de partout en Ontario. En parlant de collaboration, j'aimerais maintenant vous présenter Frédéric Boulanger, directeur du campus de Windsor, et Mariette Kalinga et Marie Sifendi Angenzi, deux coordinatrices de projet, navigatrices socio-culturelles et professeures en technique de travail social qui travaillent présentement sur un projet de recherche au campus de Windsor. Bonjour, mon nom est Frédéric Boulanger, je suis le directeur du campus du Collège Boréal à Windsor. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler brièvement de notre projet de recherche « Catalyser le plein potentiel des nouveaux arrivants », ici spécifiquement à Windsor. Le projet de recherche a vu le jour suite à un projet pilote où le campus de Windsor a mis de l'avant un poste qui s'appelle un poste de navigateur en intégration socio-économique. Les navigateurs en intégration socio-économique sont une création du site de Windsor. L'objectif était de mettre en place des mécanismes qui n'existaient pas pour accélérer l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants. L'intégration socio-économique des nouveaux arrivants repose sur trois grands accélérateurs: la langue, l'expérience de travail canadienne et l'éducation canadienne. Avec un plan d'intégration socio-économique, nous souhaitons que les nouveaux arrivants puissent atteindre leur plein potentiel le plus rapidement possible. Le Collège Boréal, ici à Windsor, est fier de pouvoir participer au projet de recherche. Ce projet de recherche nous permet, comme équipe, de voir grand. En travaillant sur le projet actuel, on pense déjà à des suites qui pourraient nous amener à revoir aussi d'autres services qui sont offerts par le site ici à Windsor. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marie Agansi Tufende. Pour le moment, j'occupe le poste de coordinateur des services d'intégration socio-économique ici au Collège Boréal. Je suis professeure aussi dans le programme des services sociaux. Je suis navigatrice en intégration socio-économique. En même temps, je suis intégrée dans la communauté.
la communauté congolaise de Windsor comme vice-présidente. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mariette Kalinga. Je suis une coordinatrice dans ce projet de recherche. Je suis aussi navigatrice en intégration socio-économique. Je suis professeure dans le programme de travail social, mais aussi je m'occupe présentement d'un petit projet. Je fais de la coordination d'un petit projet en immigration au Collège Boréal. À ce moment, je voudrais présenter un peu le programme de recherche qu'on est en train de faire. Ce projet de recherche innover les modèles de services d'intégrer aux immigrants en collaboration avec les associations socio-culturelles de Windsor. Quand on parle de services intégrés, donc c'est l'intégration socio-économique, donc les services que le navigateur offre aux nouveaux arrivants. C'est un service vraiment qui est pertinent et qui semble beaucoup marcher avec nos clients. On a reçu des feedbacks et c'est pourquoi on a fait qu'on puisse faire ces recherches pour réellement évaluer quel est l'impact que ces services ont sur les immigrés, surtout sur leur intégration socio-économique. Merci Marie. Alors c'est sur ce point-là que moi je parlais de nos rôles en tant que coordinatrice de ce projet. Alors nos premiers rôles, c'est vraiment de les utiliser nos expertises parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, nous deux, on a la chance d'être des navigatrices en intégration socio-économique. On rencontre des clients tous les jours. Alors nous venons apporter ça dans notre projet de recherche. Ça, c'est pas seulement notre rôle. Notre rôle aussi, c'est de superviser les étudiants qui nous aident dans notre projet de recherche. Effectivement, nous avons présentement deux étudiants qui nous aident dans le projet de recherche. Ce sont des étudiants qui font le programme de travail social. Effectivement, ce sont des étudiants qui vont nous aider à aller faire des entrevues quand ça va venir pour faire des entrevues dans notre projet de recherche et pour encore une fois faire avancer notre projet de recherche. So, en ce moment-ci, nous sommes en train d'acquérir des informations et superviser ces étudiants-là, effectivement, pour l'avancement de notre projet de recherche. Merci. Oui, merci beaucoup, Mariette. Je voudrais parler un peu de l'aspect communautaire avec le racisme qui existe. Ce projet de recherche va nous aider. Tous les jours, en passant, comme communauté noire, nous passons dans beaucoup de discriminations. Et maintenant, avec ce programme, les résultats qu'on va tirer dans ces recherches, dans ce projet, vont nous demander comment ce programme peut améliorer les conditions de vie, les conditions de vie socio-économique des immigrants dans la communauté noire. Et surtout, dans la communauté de tous les immigrants. Merci. Merci Marie. Effectivement, nous sommes chanceux d'avoir trois grands partenaires avec qui nous allons travailler dans notre projet de recherche. Nous allons travailler avec la communauté burundaise, la communauté congolaise, mais aussi la communauté rwandaise. Effectivement, vu qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'expertise sur ce qui se passe au milieu dans l'immigration. Comme il y a beaucoup de gens qui arrivent ici au Canada, alors ils sont là aussi pour nous appuyer dans ce projet de recherche. Alors, merci. Wow, merci Fred, merci Marie, merci Mariette, quelle belle initiative. Merci pour votre engagement, puis merci dans votre dévouement. Comme dernière présentation, j'aimerais vous présenter Sabine Bouchard, chargée de projet pour recherche et innovation boréale, et Cora Long, étudiante du programme de technique agricole, qui vont vous parler de leur projet de recherche. Bonjour à tous, je m'appelle Sabine Bouchard et je suis chargée de projet pour recherche et innovation boréale, ici au Collège Boréal. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu plus de certains projets de recherche qui se passent dans le secteur agricole ici au collège. Donc premièrement, en ce moment, une de nos équipes de projet mène une étude de faisabilité. Donc cette étude vise à tester de nouveaux types de biostimulants qui sont des stimulateurs de croissance de plantes. Les biostimulants, c'est une sorte de produit naturel qui utilise des micro-organismes pour augmenter le rendement des cultures tout en réduisant l'utilisation de pesticides et d'engrais.
Donc, les biostimulants permettent aussi d'augmenter la résistance des cultures au stress climatique, tels que la sécheresse et la chaleur. On espère vraiment qu'ultimement, ce projet de recherche permettra à nos partenaires de projet de commercialiser leurs nouveaux produits, ce qui améliorera le rendement durable des cultures pour les producteurs agricoles de partout en Ontario. So right now, one of our research team is conducting a feasibility study on new types of biostimulants that are known as plant growth promoters that aim to increase crop yield while reducing the use of pesticide and fertilizers. So we really hope that the findings of the project will help our research partner commercialize their new product, ultimately sustainably increasing crop yield for producers all over Ontario. Bonjour, je m'appelle Cora Long et je suis une étudiante au Collège Boréal dans le programme de technique agricole. Pour le projet de recherche sur lequel j'ai travaillé, nous avons à déterminer quel effet un fertilisant a sur une variété de plantes. Alors, on applique des doses différentes sur chaque plante et on compare les résultats de la croissance. Cela nous permet d'observer si le fertilisant a un impact positif ou négatif sur la plante et si le produit est bon. J'ai appris une variété de choses en participant dans ce projet de recherche. Spécifiquement, travailler dans la salle m'a permis d'exécuter des tâches pratiques que nous avons discutées en classe. Souvent, j'ai besoin de rentrer dans la salle tout simplement pour arroser et faire certain que tout va bien, alors j'ai appris la responsabilité de prendre soin de les plantes. J'ai beaucoup aimé cette expérience car j'ai eu la chance de créer des amitiés avec d'autres étudiants avec qui je partage des intérêts similaires. J'encourage définitivement aux autres étudiants à participer dans un projet de recherche parce qu'il peut avoir une bonne influence sur ton éducation et peut t'aider à développer plus de compétences. Nous travaillons aussi sur un autre projet de recherche avec des organismes locaux qui visent à mieux comprendre et atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie agricole dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est vraiment un projet qui vise à augmenter la connectivité au sein du secteur tout en contribuant à la stabilité économique des secteurs agricoles et agroalimentaires dans la province. Donc, entre autres, pour ce projet de recherche, on a créé une carte de différentes agro-entreprises qui sont installées dans le nord de l'Ontario. On a aussi fait des sondages, des groupes de discussion pour vraiment essayer d'établir quels sont les besoins des entreprises agroalimentaires du nord de l'Ontario et pour pouvoir y répondre. So we're also working on a new project with local organizations to help understand and really mitigate the negative economic effects of COVID-19 on the agricultural industry in Northern Ontario. This is really a project that aims to heighten connectivity within the sector while helping economic stability in the agriculture and agri-food sectors in Northern Ontario. If you want to learn more about the projects, you can visit our website at collegeboreal.ca. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur nos différents projets, vous pouvez visiter le site web du Collège Boréal. Merci Sabine, merci Cora. Donc, j'espère que vous avez bien vu. On vous a donné un avant-goût des projets qui sont en cours en ce moment. Alors, on en a choisi quelques-uns. Je peux vous dire que le choix a été difficile. On a essayé de toucher à plus d'un secteur de programmes qui sont offerts au collège. Donc, sans compter tous les programmes de l'année passée, la dizaine de programmes qu'on est en train de faire et ceux qui s'en viennent pour l'an prochain. Donc, au cours de la dernière année, on a travaillé sur une dizaine de projets et sur une multitude de différents domaines. Alors, félicitations et merci à tous ceux et celles qui appuient la recherche et l'innovation au Collège Boréal. N'oubliez pas d'aller visiter les affiches interactives, les projets pour en apprendre davantage et de partager ce que vous avez appris aujourd'hui au Collège Boréal. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec l'équipe. Alors, vous voyez à l'écran le courriel du secteur rechercheboreal@collegeboreal.ca et évidemment notre directrice. Alors, vous voyez son numéro de téléphone avec son poste au Collège Boréal, alors Robin Craig, et Sabine Bouchard, la chargée de projet également, avec son numéro de téléphone et évidemment avec son extension. Alors, on est là pour vous aider, vous appuyer dans la recherche et dans l'innovation. Donc, pour terminer l'événement, c'est maintenant clôturé et de piger un nom. Alors, tous vos noms ont été mis dans un logiciel
et ça s'est fait tout seul. Alors, le grand gagnant du prix de présence, je l'ai vu, c'est super beau. Je suis jalouse de la personne qui l'a gagné. J'aimerais bien avoir gagné le prix. Alors, la personne, c'est Dieter Valtens. Donc, toutes mes félicitations. Alors, on va faire le suivi nécessaire pour vous assurer que vous allez recevoir votre prix. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Bon après-midi et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.